Bonjour, Ben. Bonjour, Pete. Mais, qu'est-ce que t'as, mon Pete, donc? Je te connais, toi, t'as dû passer une mauvaise journée, hein? Ah, il m'est arrivé plein d'aventures aujourd'hui, hein. Au cas où il y aurait 18 à cette histoire-là, je vais m'en parler. Viens t'asseoir, là, puis raconte-moi ça, hein? Ben, d'abord, ce matin, en entrant dans le bureau de ton frère Léon. Y'a là? Hey! Ça va faire à moi? Oh oui, Théo, tu vas te rendre chez une cliente, hein, une demoiselle qui veut faire redécorer son appartement. Alors, pour aujourd'hui, ce qu'il s'agit de faire, c'est enlever la tapisserie dans toutes les pièces. Tiens, voilà son adresse et puis son numéro d'appartement, le 1134. 1134, ouais. Ah oui, Théo, la demoiselle en question travaille le jour. Alors, elle s'est arrangée avec son concierge qui va te passer un passe-partout pour que tu puisses rentrer. Hein. OK, jamais dit à Nathal? Non, Nathal est prêt hier. On est débordé de ce temps-là, je te dis, moi. Êtes-vous trouvé secrétaire? Ah oui, j'en engage une de demain, là. On a fait paraître l'annonce dans le journal. On n'a pas de temps, là. On va y sortir d'ici. Laisse-moi travailler en paix. J'y vais. On va commencer par changer de pantalon. Ah, c'est grave, hein, monsieur? Pas de taxi. Il doit en avoir ailleurs, ça paie. Va aller voir ça. Hello. Ah, c'est toi, maman? Bon, j'allais prendre ma douche. Oui. Oui. Ah! Maman! Tu es là pour mon appartement, frère! Tu es là, tu penses que tu as vu l'heure de faire? Maman, je vais te parler, le numéro, c'est le 1234, maman! Non, mais là, comment le 1234? Je pensais que c'était le 1134? Non, mais je m'en sortirai jamais. Non, pas la police! Et là, je me suis sauvé par l'escalier. Non, c'est vrai. Pour descendre à l'appartement 1134, en bas, où j'ai changé de pantalon, puis j'ai fait mon ouvrage. Oh, puis t'es bonne, celle-là. Mais non, mais il n'y a rien de drôle là-dedans. Si la fille donne mon signalement à la police, Ben non, c'est rien, ça. De toute façon, là, t'as rien à te reprocher, hein? Non. La chose certaine, c'est qu'on ne prendra pas ça au bureau. Puis une autre affaire, c'est que je veux pas que ta mère, là, ça... Claire, t'es... Bonsoir, là, Jeanne. Bonsoir, ma mère. Quoi, vous parliez, là? Bon, on parlait que... je viens d'inviter Claire à souper au restaurant ce soir. C'est une bonne idée, ça, Pete? Mais non, c'est pas une bonne idée. Oublie pas que ce soir, moi, j'ai invité ta belle-sœur, Colombe, à venir jouer aux cartes avec nous. Oh, maman, pas encore. Mais dis donc! Bon, ben oui, on est obligé de jouer aux cartes ce soir. Hein, si mon mari passait pas tout son temps à travailler au bureau. As-tu vu l'annonce que mes deux frères ont fait publier dans le journal? Hein? Oh, ça m'intéresse, ça. Jeune secrétaire demandé, ne dépassant pas 25 ans, belle apparence de préférence, salaire et expérience à discuter, s'adresser à la compagnie Briand et Fils demain matin. Jeune secrétaire. Eh bien, moi, je m'en vais y être chez Briand et Fils demain matin. On va y voir. Laissez faire, Madame Briand. Ma belle-sœur Lucrèce, elle a lu l'annonce, puis elle va y aller. Oh. OK. T'as qu'à jouer, là. Ben, c'est à moi, j'ai gagné. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Léon. Ah, bonjour, Lucrèce. Qui vous êtes, au fait, vous? Je suis la nouvelle secrétaire, monsieur. Ah, oui. Ah, oui, c'est vous, c'est la nouvelle secrétaire? Oui, monsieur Briand. Simone Badeau, engagée par votre frère ce matin. Ah bon, c'est mon frère qui vous a engagé. Madame Badeau, j'aimerais bien vous voir dans mon bureau dans quelques minutes. Hein? Mais avec plaisir, monsieur Briand. La journée commence mal. Ça vaut un coup. Noël, Brigand! Es-tu malade? As-tu perdu la tête, hein? On s'était mis d'accord hier pour engager une jeune secrétaire. As-tu pris un coup de vieux depuis hier? Choque-toi pas, Léon. C'est pas moi qui l'ai engagé, c'est Lucrèce. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je l'ai vu sortir de ton bureau, ta Lucrèce. Non, mais écoute, Noël, ce qu'il nous faut, nous deux, c'est une jeune, une attrayante secrétaire. Je sais pas, moi, tu sais, 36-24-36, tu vois ce que je veux dire? Je vais aller jusqu'à 40-24-36,
Ah ben, marque bien que moi, ce que j'en dis, c'est pas pour moi, hein. Moi je pense qu'aux affaires, moi... Ah ben, moi, je pense aux mêmes affaires que toi, Léon. Mais Lucas m'a dit que maman non plus n'était pas d'accord. Puis maman, elle a encore son mot à dire dans la compagnie. Ah bon? Fallait que la mère s'en mêle. Ben, je vais y voir, mon frère. Je vais y voir. C'est ça. Vas-y. Pour une fois que les deux frères sont d'accord, ça va un verre de cognac. Un petit instant. Noël! Oui. Viens donc dans mon bureau une petite minute. Oui, Léon. Noël, bonjour, je viens de faire la connaissance de la fille de Madame Badeau. Ah! Oh. Ah! Oh. Mon frère Noël Brillant et Mademoiselle Brigitte Badeau. On est enchantée, mademoiselle. Elle est très attrayante. Merci beaucoup, monsieur. Ma fille, qui habite seule dans son appartement, travaille 3 jours par semaine dans un restaurant. Et puis, ben, comme c'est pas suffisant pour payer sa voiture et puis pour payer son déménagement... Mais oui, je veux déménager. Oh, je te comprends donc, ma fille. Oh, imaginez-vous donc. Un sale individu s'est introduit dans son appartement hier pour essayer de la violer. Oh! Oh! Quand je l'ai aperçu, il avait déjà enlevé son pantalon. Oh! Alors, pour faire une histoire courte, ma fille veut déménager. Et puis pour payer tout ça, eh bien, elle se cherche du travail pour le soir. Ah! Ah! Mais ça tombe bien, justement, mon frère et moi, on cherchait quelqu'un pour faire du travail de bureau le soir. Ah! Oui. Ah, ben, tu m'avais pas dit ça. Voyons, Noël, on vient d'en parler dans ton bureau, hein? Ah, oui, oui! Viens te comprendre. Viens donc dans ton bureau, j'aurai à te parler. Ce sera pas long, Brigitte, hein? Juste un instant, une mesdames. Elle a-t-il l'affaire? Ben, oh, pas. Les deux affaires? Les bébés sont pas tous deux cas. Je comprends, non? On l'engage? On l'engage. Excusez, qu'est-ce que c'est la fille qui m'a pas vu rentrer ici? J'ai vu rentrer ici dans le bureau? C'est mademoiselle Brigitte Badeau. Alors, faites-moi pas marcher, c'est pas l'actrice Brigitte Bardot, ça? Non, hein? Pas Bardot, Badeau. C'est la fille de notre nouvelle secrétaire. Elle va travailler ici le soir avec Léon ou avec moi. C'est sa fille, elle va travailler ici? Oui. Mais Théo, tu connais les femmes, elles se font des idées avec des liens. Alors, faudra pas que t'en parles ni à ma mère, ni à ma femme. Hein? Ben, et surtout pas à la mienne. Hein? Surtout pas à Anatole, ce niaiseux-là, il prend tout de travers. Non, ouais. J'en parlerai pas à personne. Ouais, t'as besoin de m'en parler, toi. Pas sorti du bois, moi. Mais oui, encore obligée de jouer aux cartes ce soir parce que mon mari travaille au bureau. En tout cas, c'est moi qui ai sa voiture. Puis j'ai été le reconduire, alors je sais où il est. Non, elle aussi travaille ce soir. Hein? En tout cas, vous avez des maris bien travaillants. Ça vous... C'est pas comme Théo. Hein? Je lui ai demandé d'aller les aider ce soir au bureau. Il voulait pas en entendre parler. Il doit avoir ses raisons, maman. Ben, il n'est pas aussi travaillant que mon Anatole. Est-ce que ça prend une virgule ou un point? Ah, ben, je vais le demander à maman. Demain. Tiens. Wow! Elle est super chandelle dans ton bureau! Oui. Qu'est-ce que tu veux, mon bon Noël? Moi, j'aime bien ça de compenser une jolie secrétaire qui se dévoue pour son patron. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je te comprends. Demain soir, ça va être mon tour. Débalasse! Hein? Ah oui! À bonne veillée! Bonne soirée de travail, mademoiselle Brigitte. Bonsoir, monsieur Noël. Pas trop fatiguée, Brigitte? Hein? Oh oui! Mais j'ai un vernis à ongles qui me fatigue. Arrêtez donc, la veau. Je l'aime pas, celui-là. Oh, mais passez-vous dans mon bureau. Je vais vous servir un petit apéritif, hein? En attendant notre petit repas, là, qui devrait pas tarder. Un petit apéritif, vous méritez bien ça. Mmh. Hein? Hein?
Je suis bien, un peu. Je vais t'aider un peu, ça, les malades. Hein? Ta femme! Ta femme, elle s'en vient ici! Mais ça se peut pas! Viens, là où je t'ai salé la voiture! Mais pourquoi j'ai laissé la voiture aussi? T'as ton bureau! Non, pas moi! Elle! Bonsoir, Noël. Oh, bonsoir, ma chère. Noël est dans son bureau? Oh, là, oui. Il est ou il l'est pas? Il doit être là. Surprise! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une table montée avec deux couverts? T'attends de la visite, Léon? Mais je t'ai pas laissé la voiture pour rien. Non, je le savais tout le temps que tu viendrais me rejoindre. Non, tu pensais la semaine dernière que j'avais oublié notre anniversaire de mariage, hein? Eh non, parce que tu vas voir arriver dans quelques instants un succulent repas pour deux, ma belle Brigitte. Je veux dire, ma belle Colombe. Oh, Léon, tu es le plus fin des maris. Oh, je m'attendais si peu à ça. Ah, moi non plus, je m'attendais pas. Je veux dire, ça me fait plaisir. Dis donc, Noël! Ah, mais c'est vrai, c'est à ton tour ce soir, mon chanceux de Noël, va! J'espère que tu vas être plus chanceux que moi! Bonsoir, les patrons! J'ai à votre disposition! Qu'est-ce que c'est ça? Aussi bien que t'as le dit, Théo, pour récompenser notre secrétaire qui a si bien travaillé, je lui fais venir un bon repas. Madame Badeau va être bien contente. Non, pas Madame Badeau, sa fille Brigitte. Ouais, Brigitte. Comment Brigitte? Mais elle n'a pas travaillé ce soir, Brigitte. Mon Dieu, je suis pas bien, moi. Non, il n'y en a pas question. Tu vas travailler à côté dans mon bureau, toi, à classer des factures. Moi, j'ai pas le temps de faire ce travail-là. Là, j'ai un rendez-vous très important avec une cliente. Là, je veux dire, un rendez-vous avec un client. C'est un autre, hein? Bon. Ouais. Brigitte, voilà les deux billets pour le théâtre. Ah, merci, monsieur Brillant. Ah, pauvre Noël, il sait pas ce qu'il l'attend. C'est moi, Brigitte. Je peux rentrer? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oui, entrez, Brigitte. Je vous dérange pas? Non, vous me dérangez pas. Asseyez-vous. Je reviens. Je reviens dans la lumière, Brigitte! Et oh! J'ai échappé quelques papiers et j'ai ramassé. Oh, non, mais écoute, Théo, c'est... Si tu te sens pas bien, t'es pas obligé de rester pour travailler ce soir. Ah ça, je me sens vraiment pas bien, patron, vraiment pas. C'est parce qu'il y a votre frère, Léon. Non, laisse faire, mon frère. Moi aussi, je suis ton patron. Ouais. Regarde-moi donc, moi. Oh non, Dieu, tu te sens pas bien. Hein? Oh, mais écoute, non, oublie ton travail, là. Tu peux t'en aller, mon Théo. Oui, merci, patron. Ouais. Merci. Merci bien. Il est pas plus malade que moi, mais c'est... Si ça fait son affaire, ça fait surtout la mienne. Qu'est-ce que vous me dites, mademoiselle Brigitte? Votre mère vous remplace ce soir. Oui. Regardez, elle vient justement d'arriver. Bonsoir, maman. Bonsoir, Brigitte. Monsieur Léon, t'as remis les deux billets pour le théâtre? Oui, maman. Et tu dois rencontrer Monsieur Brillant à la porte du théâtre, hein, c'est ça? Oui, maman. Excusez-moi, Monsieur Noël, mais je voudrais pas être en retard. Je m'en vais au théâtre avec votre frère, Monsieur Brillant. Bonsoir. Bonsoir, merci. Avec mon frère. Là, je viens de m'en faire jouer une belle. Mon frère Léon qui amène Brigitte au théâtre. Il l'emportera pas au paradis. Ça va être cognac. Encore? Un petit peu? Mm-hmm. Mais j'en reviens pas. Hein? Anatole qui est allé au théâtre avec une fille. Mm-hmm. Ben, il est temps qu'il se déjeune, hein? Et à ma connaissance, je pense que c'est la première fois qu'Anatole sort avec une fille. Oui, mais c'est une fille bien, hein? Elle a été présentée à Anatole par sa mère. Oh. C'est qui, sa mère? Nul autre que la secrétaire de Brillant et fils, Madame Badeau. Elle s'appelle Brigitte. Voyons. Excuse-moi. Là, t'es bon à l'air. Que... J'ai mal à violer. On dit pas à violer, on dit à violer. Eh oui, excuse-moi, Brigitte. Hein? Mille! Oh.
Ben oui. Quand je t'ai téléphoné à la maison pour t'inviter, ça répondait pas. Mais heureusement que tu passais par ici, hein. Léon lui a invité sa femme à manger ici hier soir. Mais ce soir, c'est à mon tour. Il mange pas trop pas, mon frère. Et sa colonne non plus. Ah ben, t'as vraiment fait, petit garçon. Anatole, j'étais inquiète, il est 2h du matin. Maman, je suis un tambour. Hein? Non, je suis en amour. C'est une vraie perle, cette fille-là. Et de la poisson à part de ça? Ah oui, après le théâtre, elle m'a emmené dans une bibliothèque. Non, c'est pas comme ça ça s'appelle. Tu veux dire une discothèque? Oui, c'est ça, une discothèque. Puis là, à mon montré à danser. Mais c'était épouvantable. Puis après, elle m'a emmené dans son appartement. Puis là, elle m'a violé. Non, elle m'a pas violé. Elle m'a volé un baiser. Sur la bouche? Mais non, pas sur la bouche, hein, sur la joue. Je me serais jamais laissé embrasser sur la bouche. Pas la première fois. Qu'est-ce que c'est que ce papier-là, là? Ah, ça, c'est son adresse et son numéro de téléphone qu'elle m'a donné. Donne-moi ça, ce papier-là. Tu la reverras plus jamais, cette fille-là. Oh oui, je vais la revoir. Un, deux, trois. Oh, ben lâche-moi le body, on va s'en parler. Hey. Ah oui, Théo, notre jeune secrétaire, Brigitte, a décidé de travailler chez elle ce soir dans son appartement. Ah, t'as une bonne idée, ça. Alors, tu vas aller lui porter son travail chez elle quand t'auras fini ce soir. Attends, chez elle? Dans son appartement? Oui, oui, l'adresse est sur l'enveloppe. Ah, je le sais, Scarès. Comment tu le sais, Scarès? Je le sais parce que c'est marqué là, sur l'enveloppe. Ah. Mais vous pourriez pas l'envoyer porter par là, Il n'en est pas question. Puis si t'arrives chez elle, ne payez pas encore, demande au concierge, je vais te présenter. Tiens, je pourrais la laisser au concierge. Je veux que tu la déposes toi-même dans son appartement. Bon, elle devrait être là vers les 8h ce soir. Maintenant, sors d'ici, je t'en ai vu. Oui, moi y aller sûrement avant 8h. Pas fait de chance, j'ai téléphoné avant de monter. Et pas chez elle. Bon, ben, j'entre plutôt que prévu. Ah, y a quelqu'un, il faut qu'elle me voie ici. Tiens, mon travail pour ce soir. Mais j'aime autant le faire ici que de travailler avec des patrons trop entreprenants. Anatole! Viens rentrer. Bonsoir, mademoiselle Brigitte. Je vous ai posé votre numéro de téléphone, ça fait que je vous ai apporté des bonbons. C'est gentil, c'est honnête. Mademoiselle Brigitte, je rêve à vous. Qui est là? C'est Martine Noël. Mon père, il faut pas qu'il me trouve ici. Il va le dire à maman, puis là, ben, elle va le savoir. Mais Anatole, cachez-vous dans le garde-robe. Qu'est-ce que tu fais là? Va dans le métro. Bonjour, M. Noël. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Mon frère Léon m'a dit que vous travaillez ici ce soir. Là. Je suis venu vous donner un coup de main. Ah, merci beaucoup. Mais qui est là? C'est moi, ma belle Brigitte, Léon Briand. Mon frère Léon, il faut pas qu'il me trouve ici. Ben, allez vous cacher dans le garde, dans ma chambre à coucher. Ouais. Et puis, pour plus de sécurité, là. Allez en dessous du lit. Merci. Bonjour, Monsieur Briand. Toudelou! Je vous ai fait parvenir à mon travail, mais j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de directives. Alors, je suis venu pour vous aider. Vous m'aider, ça, c'est des excuses. On peut... Qui est là? C'est maman, Brigitte. Madame Badeau, la secrétaire. Il faudra pas qu'on me trouve ici, hein. Ben allez dans ma chambre, puis pour plus de sécurité, là, allez dans le garde-robe. Okay? Votre chambre, c'est là? Ma chambre, c'est là. Oui. Allez, allez, allez. Il faudrait vous en débarrasser le plus vite possible. Je vais m'en débarrasser, mais dans ma chambre.
viens faire ici? Oh, je suis inquiète pour toi, ma petite fille. Dis ça à ce que tu déménages. Je vais demeurer ici avec toi. Dans mon appartement? Et voyons donc, j'ai seulement qu'une chambre à coucher, puis un lit simple. Alors, de tout moment, tu peux pas... Je vais coucher sur ton divan, puis je vais surveiller la porte. Si jamais un autre violeur de femme entre chez toi, moi, ta mère, je vais être là pour le recevoir. Ah, bien sûr, là. Ça se peut plus. En tout cas, si toi, t'es inquiète pour ton mari, moi, je suis inquiète pour mon Anatole. J'ai l'adresse, là, de cette Brigitte. Cette dévergondée qui a entraîné mon Anatole dans une discothèque, qui a montré à danser, qui l'a emmené dans son appartement, qui a volé un baiser. Mais voyons donc, maman, il est 1h du matin, là. Tu vas pas réveiller cette fille-là. Je suis sûre que mon Anatole est là. En tout cas, je sonne. Si elle me répond pas, je défonce la porte, je fouille la maison. Maman, prends sur toi, là. Je sais ce que je fais, ma fille. Maman! J'en apprends de belle. Un party de bureau avec la mère et la fille. Sortez, vous autres. Eh, tu ne dirais pas ma femme, maman, hein? Oh. Ni à mien, non. Non, je ne dirais pas à vos femmes. Mais je vais le dire à ma fille, par exemple, espèce de dévergondée. Je vais faire un boy-tier, moi-même. Maman, je t'avais vu me revoir. Petit garçon, en arrivant à la maison, tu vas être en pénitence. Ma première déception d'amour. Comment ça va, patron, ce matin? Ça va pas, matin! Non? Qu'est-ce que tu vas pas, mon frère? Je vais te montrer ce qui va pas. On a une nouvelle secrétaire? Oui! Ah oui! Les hilarantes péripéties de Benny Hill, tout de suite après la pause.